Ça passe là-bas. Je l'ai envoyé, voilà, il faut que je regarde. Bonsoir mesdames, alors pourquoi cette exposition ? Pourquoi cette exposition ? Parce qu'on voulait montrer notre savoir-faire. On voulait montrer que dans le Gers, les femmes, elles savent faire des choses aussi. Non, en fait, on s'est rendu compte en discutant qu'on avait toutes quelque chose qui pouvait se compléter. Et dans notre art, et on voulait voilà, faire quelque chose en commun pour montrer. Bravo et merci. Fais du modelage. Je fais du modelage en porcelaine froide. C'est une matière qui n'est pas très connue et qui existe pourtant depuis 35 ans. Mm-hmm. Et qui est non toxique et naturelle. Et ça permet de modeler pour les enfants sans aucun problème. Notamment des veilleuses et des choses comme ça. D'accord. Voilà. Mais on peut modeler n'importe quoi, des fleurs. On peut faire des fleurs, tout ce qu'on veut. On peut faire la même chose qu'avec la terre cuite, seulement ça sèche à l'air. Il n'y a aucun souci. Vous voulez que je les allume, les veilleuses ? Oui, d'accord. Merci. En fait, elle change de couleur. On fait tout ce qu'on veut avec. Et quand ça sèche à l'air, vous pouvez toucher. C'est incroyable. Ça fait exactement comme la terre cuite. Mmh, c'est incroyable. On arrive à faire des sculptures. Mmh. Et là, j'ai une exposition prévue en septembre où ce ne seront que des sculptures oak, c'est-à-dire toutes des sculptures uniques et complètement différentes. À quel endroit ? Ici. Ici. Ben, nous reviendrons. On reviendra en septembre pour faire des choses un petit peu bizarres. Merci beaucoup. Dans le Gers, on a passé.
Bye.